One thing I have to know is that all the animals in Cameroon are threatened by bushmeat. In Cameroon we have three classes of bushmeat. Class A is the totally protected species of animals in Cameroon. Class B, they are partially protected but at a high degree of protection because of their number in the forest. And then Class C, they are animals that are still partially protected but have little risk of extinction. Ça veut dire que l'État, à l'article 8 de la loi forestière, a déterminé les conditions de droit d'usage. C'est-à-dire que le riverain qui est à côté d'un massif forestier a le droit d'aller chasser pour la consommation. Et ça, c'est ce qu'on appelle, on peut qualifier de chasse de subsistance. Et dans cette chasse de subsistance, donc, on considère que le villageois peut avoir un certain nombre de pièges et là-dedans, il peut tuer deux ou trois gibiers. Bon, maintenant, la chasse commerciale, c'est ce qu'on peut appeler dans le pillage de la ressource, c'est-à-dire de très grandes quantités. Nous avions, par exemple, saisi des produits des femmes ou des hommes avec plus de 200 gigots. Les BACA font généralement la chasse de subsistance. Mais alors, les Bantous les utilisent pour la chasse commerciale. Donc, ça, nous réprimons ça. Parce que c'est déjà le gâchis. Mais il faut déjà dire que ces gibiers sont menacés par rapport à la densité de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, les gens, compte tenu de la pauvreté qui règne dans les villages, prennent la viande de brousse pour faire du commerce. Et ça accentue le braconnage. C'est-à-dire, en dehors de ce que l'État a prévu, tel que le droit d'usage, où tout le monde peut, tous les riverains du village, quelqu'un qui est juste à côté de sa forêt peut prélever et manger. Aujourd'hui, il y a le phénomène du braconnage, c'est-à-dire la vente illicite du gibier. We're here on controls, meaning therefore that we were on the here to control those who are engaged in illegal hunting. Here we carry out control of vehicles to stop and control vehicles that are carrying illegal wildlife products. Normally, as the law provides, when we catch a vehicle with illegal product like that, if it is a product that is well defended, like the class A animal, we send it to the justice. Especially if it doesn't have a permit. Since the Living Earth and British Zoo always work with the participatory way, when we design our project, we say we will not go to talk to Jaja people alone. But we realize that whenever we get to the village and try to carry out our interview to understand how people feel about conservation, the first reaction of the community was to attack the Eco Guard with us. We wanted to know exactly what is happening. And then we realized that the relationship between Eco Guard and community is not that good. Il vous demande, c'est interdit. Il demande, il est en train de dire ça, pourquoi? Parce que il se sent vraiment qu'il est coupable de ce qu'il est en train de faire. Il fait la chasse, pourquoi? C'est lui qui est quelqu'un qui fait la protection, mais il fait la chasse, vous le voyez devant vous. C'est ça, c'est un exemple. Voici quelqu'un qui vient de partir, c'est vous là, qui vient de partir tout à l'heure là. C'est une autorité. C'est une autorité, c'est un agent. Qui est un agent de protection pour la nuit. Oui. Nous-mêmes, on voit que la forêt nous entoure. Quand il y a les sociétés forestières, on bénéficie de rien. De deux,
quand il y a des gens qui viennent d'entrer dans les forêts comme les covarets, les safaris, tout ça, nous n'avons rien. Ce n'est que nos frères bantous qui gagnent quelque chose. Donc, nous sommes obligés d'encadrer les pareilles personnes qui viennent de partir là. Quand il vient, il te dit, mon frère, tu peux m'aider à faire telle chose, alors qu'il est un agent de la possession de cet environnement-là. Quand il te dit ça, toi, tu es obligé, tu sais que mes enfants vont manger, moi aussi, je vais manger, je pars. Hein? Tu pars. So we say we cannot do without a Koga. We need to get them, but we don't like their attitude. We had the 4 days training with Living Net here in June, where they taught us on how to communicate with the population, how to settle problems, how to call up and identify person who is in possession of illegal products, how to avoid problems on when we are on controls like this, and how to transmit the problem in justice in courts. And the pygmies really, here we discover something very special. The pygmies are not really engaged in illegal hunting. They don't go in for elephants, chimpanzees, gorillas as the others do. They go in for small animals like the cephalopod just for consumption. That's the great difference. But somebody who comes from Yaoundé, he's coming to hunt elephants, chimpanzees to take them to Yaoundé. En forêt, le contact que nous avons avec les Baka, c'est si on les trouve en pleine réserve avec les armes à feu et autres. Bon, néanmoins, on fait tout parce que c'est encore une population très marginalisée et on essaie de faire tout pour préserver leurs droits. La chasse pour eux, comme je disais, c'est de la tradition. Mais également, la chasse, on sait que le Baka vit de la chasse. Mais mourir de faim, non. Il y a de l'agriculture. Actuellement, on est en train de développer des alternatives au niveau agricole. Non seulement pour accompagner les Baka dans les micro-projets, c'est-à-dire avoir désormais des plantations cacaoyères qui peuvent leur donner des revenus ou des champs. Et des champs de maïs ou d'arachide ou de plantain. On les rencontre un peu partout maintenant dans les campements Baka. And if a Baka man, for example, refuses to go to the forest to kill an elephant for a packet of cigarettes, then it's already something. If he will not give information on whereabouts of the animal to other Bantu farmers, hunters, it's already something. And I think it's important that we deal with that.